Michel Blanc trop mal dans sa peau à l'adolescence, retour sur ses douloureuses confidences. Dans une vidéo publiée sur Instagram ce mercredi 9 octobre sur le compte de Lina, Michel Blanc, dont les obsèques se tiennent ce jeudi 10 octobre, faisait des révélations bouleversantes à Mireille Dumas sur son adolescence difficile. Le monde du cinéma est en deuil et va rendre un dernier hommage au comédien Michel Blanc, décédé brutalement le 3 octobre, ce jeudi 10 octobre lors de ses obsèques qui seront célébrées dans l'après-midi en l'église Saint-Eustache dans le 1er arrondissement de Paris. En plus de sa famille et de ses amis proches, ses nombreux fans seront aussi présents. Des membres du Splendide devraient d'ailleurs prendre la parole lors de la cérémonie, a révélé le quotidien Sud-Ouest. L'éternel Jean-Claude Duss de la saga des Bronzés a longtemps incarné des personnages comiques avant de se tourner vers les drames et de réaliser ses propres films. Peu à l'aise avec son physique, Michel Blanc s'était confié auprès de Mireille Dumas, comme l'a partagé l'Institut National de l'Audiovisuel ce mercredi 9 octobre sur Instagram. On est plus ou moins, selon sa nature, doué pour être jeune. Moi, je ne l'étais pas, avait-il révélé, avant de poursuivre, bouleversant. Même à la puberté, je me disais que je commencerais à devenir fréquentable à partir de 30 ans. J'étais trop mal dans ma peau et trop différent de l'âge que j'avais. Michel Blanc tient des propos touchants. Le comédien, resté très proche de Gérard Jugnot au fil des ans, ne s'était pas arrêté là et avait continué à se confier sur ses difficiles années auprès de Mireille Dumas, qui recueillait à l'époque les paroles des autres comme personne. Je n'ai jamais eu 16 ans vraiment. Je dégageais quelque chose de déséquilibré entre l'apparence et l'intérieur. Et ça ne marche pas, si est-il très inquiétant pour les autres. Ce n'est pas du tout attirant, avait-il noté, particulièrement touchant dans sa prise de parole. Finalement optimiste, il avait indiqué à l'animatrice que, plus jeune, il avait alors pensé qu'à partir de 30 ans, l'extérieur ressemblera plus à l'intérieur. Comme Mireille Dumas lui demandait si désormais adulte, ça allait mieux, Michel Blanc avait évidemment utilisé l'humour en évoquant alors sa date de péremption. Les internautes ont été touchés par les paroles du comédien. Beaucoup ont laissé de tendres messages en commentaire de cette ancienne vidéo, beaucoup de ses propos et réflexions me touchent. C'était un chouette homme, nul doute que sa bienveillance perdurera, ses paroles sont tellement pleines de sagesse ou comment ne pas l'aimer? Il n'est pas parti, on l'a en nous, ont-ils notamment écrit. Si son adolescence n'avait pas été une partie de plaisir, Michel Blanc a touché tellement de monde grâce à son métier que ça a dû tranquilliser son cœur meurtri dans ses jeunes années.